Eh bien, salut tout le monde, c'est Mossan. On se retrouve pour le vlog numéro 3 tout le monde. Alors, je sais que ça vous paraît bizarre, mais je vais vous sortir le vlog numéro 3 avant le vlog numéro 2 que j'ai essayé de vous sortir, mais j'ai pas réussi. Donc, je vais pas parler trop fort. Excusez-moi, tout simplement parce que, il est quand même plus de minuit, presque 1 h du matin. Donc, on est à tout le moment, j'aimerais pas réveiller les voisins par politesse, si vous voyez ce que je veux dire. Il y en a pas au-dessus, mais il y en a à côté. Même si c'est deux immeubles différents, c'est quand même. Ça résonne quand même. Donc, on va pas trop parler fort pour éviter quand même de faire trop de bruit pour les voisins, pour pas respect tout simplement parce que. En faisant trop de bruit, ce serait mal poli de ma part. Pour le moment, je vais vous parler comme ça. Donc, j'ai ma perche à selfie. Voilà, donc je suis avec ma perche à selfie. Je vous vlog à 1 h du matin pratiquement. Parce que, en fait, je comptais vlogger avant, hier. Parce qu'il est plus de minuit, donc hier. Mais j'ai pas vlogué, voilà. Je sais que je vous ai promis, je vous dis, oui, je vais faire des vlogs par jour, etc. Mais voilà, maintenant, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, je vais m'y mettre au vlog. Bien sûr, il y en aura celui-là aujourd'hui, puisqu'il est 1 h du matin, enfin, vous comprenez. Et un aujourd'hui aussi, donc, pour vous donner du contenu et surtout. Je voulais vraiment bien m'installer dans mes vacances pour ensuite commencer les vidéos. Donc voilà. Donc ce vlog numéro 3 qui va sortir. qui va sortir avant le vlog numéro 2. Ou non, j'ai toujours le vlog numéro 2. Donc je vais vous le sortir, le vlog numéro 2, avant le vlog numéro 3. Je vais sortir en tous les deux en même temps. Je pense à peu près. Donc voilà. Pardon, excusez-moi. Donc, je vais vraiment vous proposer encore plus de contenu maintenant. Attendez, bouge pas. Je vais la poser la perche à selfie. Je vais pas vraiment la poser. Genre, je vais la caler entre mes jambes. Voilà. Je vais monter. Voilà. Parce que nous, on fait avec du petit matériel. Donc, voilà. Donc là. Si je vais vous prendre le portable 30 secondes pour vous montrer l'enlevé de la perche à selfie pour vous montrer mon installation. Vu qu'on n'est pas des. Vu que je suis pas très riche, voilà. Vu que je suis pas énormément riche, je vais vous montrer. Vu que j'ai pas de trépied pour mon portable, comment je gère. Voilà, tout simplement. Ça, c'est comme au bled. Non, mais je pense que je vais chercher un trépied sur internet tout à l'heure là. Voir s'il n'y a pas un trépied parce que sinon c'est tout le temps casse-pied de mettre sinon c'est impossible quoi. Vous voyez bien que c'est impossible. Donc le vlog numéro 3, je sais. Voilà, ça fait quand même depuis le début de mes vacances que je vous dis, je vais vous faire des vlogs. Mais j'en tourne pas tout simplement parce que j'ai pas vraiment le temps, si vous voyez ce que je veux vous dire. C'est-à-dire que mes journées, déjà le soir, je vais vous expliquer un peu. Le soir, je me couche pas avant 1 h, 2 h ou 3 h, peut-être 4 h du matin, le soir déjà. Et ensuite, je me lève soit à midi, soit à 1 h, soit à 2 h. Donc, ce qu'il y a, c'est que pratiquement tous les jours, je me l'avais dit, midi ou 1 h. Pourquoi? Parce que là, je tourne dans la chambre de mes parents. Donc, dans la chambre de mon père et de ma mère. Ce qu'il y a, c'est que mon père, lui, dort tout seul dans la chambre de mon père et de ma mère. Bon, quand mon père, il dort dans sa chambre, on sait qu'il normalement, il dort avec ma mère, mais elle dort pas là. Bref, je vous explique. Donc, ma mère, enfin, mon père dort dans la chambre de mon père et ma mère avec la clim. Ensuite, il éteint la clim, il ouvre la fenêtre et il remonte un peu, vous voyez? Pour qu'il y ait de l'air. Ensuite, ma mère, elle dort dans ma chambre. Où c'est qu'au début des vacances, au début de mes vacances, j'ai dormi dans ma chambre. Mais ensuite, je n'y ai plus dormi. Pourquoi? Tout simplement. Bah, parce que j'avais trop chaud. Donc je mettais le ventilateur et je fermais la porte. Mais pourquoi je fermais la porte? Vous me direz, pourquoi je fermais la porte? Parce que
Mon père ronflait la première nuit. Mon père et ma mère ils ont dormi ensemble, mais moi dans ma chambre avec le ventilateur. Deux nuits, on l'a fait comme ça. Ensuite, ma mère, elle a dit, stop, j'en peux plus, je vais dormir sur le canapé. Le canapé n'était pas déplié, donc elle dormait sur le canapé. Moi, je dormais dans ma chambre avec le ventilateur et mon père dans sa chambre avec sa clim. Avec la clim. Parce que dans la maison, il n'y a que la clim dans leur chambre et dans la salle à manger. Qui fait salon aussi. Donc, ce qui fait que moi, j'en pouvais plus parce que je dormais mal la nuit, parce que j'avais trop chaud. Et vu que je fermais la porte, j'avais pas l'air de la clim. Parce que normalement, là, si je laisse ouvert la porte de ma chambre, celle de mon père et de ma mère, j'ai la clim. Mais non, je l'ai plus. Je la voulais pas là, parce que mon père, il ronfle tellement que voilà. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que maintenant, mon père dort toujours dans la chambre de mes parents, avec la clim toujours. Ma mère, elle, elle dort dans ma chambre, sans ventilateur, parce qu'elle laisse la porte ouverte. Et moi, je dors dans la salle à manger, le canapé est déplié. Pourquoi le canapé est déplié? Parce que sinon, vous voyez, sinon, si je n'en mets pas dans le canapé déplié, le canapé, il est petit, enfin, genre, comme ça, de largeur, tu vois. Vous voyez, comme ça, à peu près de largeur. Donc, il n'est pas très large. Et du coup, on le déplie. Ça fait maintenant presque une semaine que je dors dans la salle à manger. Le canapé est déplié. On ne le replie pas. Donc, moi, j'aime bien. En plus, j'ai la clim. C'est parfait. J'ai pas chaud. Je dors bien. Je devrais même vous dire, je dors même mieux que dans ma chambre. Pour vous dire tellement que je dors bien. Et voilà, je peux me coucher tard parce que. Tout simplement, voilà. Et donc voilà, donc ce qui fait que mes journées sont assez remplies parce que le matin je dors. Le matin je dors. L'après-midi, le midi je mange. À l'heure où c'est que je me réveille, je mange, je déjeune pas. Ensuite l'après-midi, on va à Saint-Cyr. On va à Saint-Cyr, on se baigne et on parle. Et à chaque fois, je vous promets que c'est pas que je veux pas vous faire de vlog, mais à chaque fois j'oublie de vlogger en fait. C'est-à-dire que ça passe tellement vite et là, la plupart de ma journée, en fait, je la passe à manger, à dormir, manger, piscine. Tout simplement. Enfin, j'avais une tache. Bref. Donc, je passe mes journées à faire ça. Donc, j'ai pas forcément le temps. Excusez-moi, il y a un message de batterie faible. J'ai plus de 10%. Donc, voilà. Bref, on s'en fiche. Donc, j'ai pas vraiment le temps et j'y pense pas forcément à vous tourner des vlogs par jour. Mais maintenant que je me suis bien posé, je vais essayer de tourner un peu plus. En sachant que je vais vous dire quelque chose. Demain après-midi, je ne sais pas du tout, mais pas du tout à quelle heure, mon père va m'amener à Château-Vallon. En fait, c'est un terrain neutre, plat, où c'est qu'il n'y a pas de route ni quoi que ce soit. Et il va, comme l'année dernière, on l'avait fait, mais pas longtemps, il va me faire laisser conduire la voiture. Donc, je ne pourrai pas vlogger. Par contre, là, je ne vloguerai pas. Mais je vous vloguerai après pour vous dire mes impressions, etc., etc. Et voilà, en tous les cas, voilà, enfin un vlog assez long, mais pas trop long non plus, puisqu'il dure 8 minutes ce vlog. Donc j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager, et surtout, surtout à commenter. C'était Vincent, peace and game.